というパワーだ。Bien joué, Robé. Juste voir hop, communauté en ligne des âmes. Allez, hop, juste. Attends. Juste, hop. Non, je pensais qu'il y aurait un truc. Je pensais qu'il y aurait un truc. Du coup, t'as juste hop, récupérer ça. Attendez. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite. Donc je vais voir Yajirobe, qu'est-ce qu'il me veut. On ne peut pas dire qu'on mangeait comme des rois quand je m'entraîne, je suis tout puissant. Donc là, il y a un manque de viande. Et toi? Ah, Piccolo? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu malgré moi que tu étais entraîné avec le tout puissant. Alors s'entraîner, ce n'est peut-être pas le mot adéquat, je suis plutôt une sorte d'observateur. J'ai senti un puissant qui va par ici, mais lui, il s'est peut-être vraiment entraîné avec le tout-puissant. Ce qui veut dire que ce clown ne voudra peut-être m'affronter comme les autres. Mais quand est-ce qu'il compte passer à l'attaque? Son regard est glaçant, mais c'est quoi son problème? Son regard est toute puissance, il attend le moment opportun pour attaquer. Pour mon père, mon moment de détente s'est raté. Pourquoi est-ce qu'il ne tente rien? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Minute, il ne va pas quand même pas me manger moi. Si j'ai du feu, c'est pour mon repas et pas pour retirer dessus. Il va falloir que l'attaque en premier. Qu'est-ce que tu fais ici? Au moindre faux pas, je finis dans l'estomac de ce type. Il faut que je me calme et que je sauve ma langue. Je pensais avoir faim, alors j'ai voulu me préparer à manger. Zut, je n'ai pas dû parler de ça. Il va avoir faim, lui aussi, je suis chu. Il est seulement descendu pour se préparer à manger devant moi, il me nargue. Il faut que je me donne des bouts. Oh, j'ai une idée. Moi, je vais pas préparer, je pars à chasser quelque chose. C'est ma chance de l'échapper et j'en ai dans le ciboulot finalement. Il veut vraiment que je tombe dans son piège et blesser ma garde. Je vais chercher quelque chose à ici et t'as rien de ta cuisine. Tu ne bouges pas d'ici, compris? Pourquoi est-ce que tu bougerais? Tu crois que j'ai dû laisser un plan avec la faim que j'ai? Cette chaise, c'est la même place, tu m'aimes pas, mais un sacré boulot. Allez, va-t'en. Je fais les courses pour Yajirobe? What the fuck? Un dessert. Alors. Et voilà.
Mais où est-ce qu'il est passé? Minute. Il se cache sûrement pour près de l'intérieur en douce, l'imbécile. Bon, tu peux toujours essayer de te cacher, je t'ai ton qui, je te retrouverai. Alors, il est où? Ah, mais voilà! Montre-toi où je réduis ces rochers en miettes et toi avec. Impossible de le semer, je finis en steak. Non, je satisfais un besoin naturel. Un besoin naturel, on a marre. Arrête de mentir, si tu veux te battre, on vient tout de suite. Mais je vais pas me battre, mais dingue! Enfin, je veux dire. Je vais de t'affronter, je peux plus me battre. À force de m'entraîner avec tout puissant, madame a perdu de son entranchant. Je t'apporte une autre. Attends-moi ici. C'est parce que ça, cette épée n'est pas ordinaire, elle a été fabriquée par le meilleur forgeron des environs. Je voulais la lui montrer et lui demander si elle peut faire quelque chose. Alors, pas question de se battre, désolé. Sans mon épée, je ne vois plus grand-chose. Très bien, mais c'est une chose à te demander. Quand tu voudras te battre contre moi, fais-le sans détour. Plus de blagues, compris? Bien sûr, tu peux me croire, j'ai vraiment hâte. Je dois filer ici et partir le plus loin possible. Bon, voilà. Attends, je suis pas obligé de passer, de farmer pour être au niveau 10 pour détruire le rocher. Je ferai ça plus tard, du coup. Donc, let's go, je vais sauvegarder un petit peu quand même. なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいったな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に1年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やった、やっぱりだ。うちがある。ここに海王様がいんのか。La gravité. La gravité. Elle est où la gravité là? What the fuck? お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プッププッ、最高。何？お前何しにここに来た？
ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え？オラがシャレをか？Bon voyage, on appelle. On s'appelle ce qu'ils appellent. Tonga, Tonga. C'est à ceux qui n'avaient pas dit. Ok. Tu as dû calculer l'univers de la communauté en entraînement et tu as débloqué un nouveau tableau communautaire. La communauté d'entraînement. Dans cette communauté, tu peux activer les compétences de communauté qui améliorent l'XP et la défense. Entre autres effets, concentre-toi sur cette communauté qui sait gérer les combats plus stratégiquement. Cool.教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。Je joue au niveau 1 avec Gohan là. Ah, niveau 5.Bon. Tu peux assommer les dinosaures qui rôdent autour du monde en les frappant avec des coupures qui quoi, ce qui leur fera lâcher de la nourriture et des matériaux. Une fois touché, les dinosaures se fonceront dessus. Si tu touches, tu seras irrepoussé, mais tu ne tâcheras pas de dégâts. Garde tes distances et reste calme quand tu essaies de les abattre.Et ben voilà. Lingo 一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕ここに置いていったおじさん。
俺はピッコロだ。覚えておけ。ピッコロさん、お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた。あのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。Ce jeune avait finalement terminé son entraînement avec Piccolo. Pour la prendre à vue, il lui fallait d'abord maîtriser son ki. Sous la supervision de la supervision stricte de Piccolo, Sangwan a appris peu à peu à contrôler son ki. Ça, c'est rigolo parce que dans l'anime, on le voit pas apprendre à voler. Hein. C'est ellipsé, on le voit pas du tout. Donc ça, je vais devoir faire la quête annexe. Excellent dame. Ah, Sobo ne veut pas me laisser tranquille, à l'aide. C'est bien sûr rassurant, mais je dois aider cette dame. Allez, c'est parti. Voilà, notre premier combat en tant que Sangwan. Et voilà. Je n'ai pas sûr de pouvoir l'arrêter. Vraiment, mon garçon, tu m'as sauvé. Vous ne devriez pas rester ici, madame. Il y a toutes sortes de dangers dans le parage. Je suis parfaitement consciente. Cependant, il fallait absolument que je mette la main sur une chose donc, que l'on trouve qu'ici. En fait, j'espère envoyer mes assistants à ma place. Mais bien sûr, ils se font plein de maux de ventre et de tête. Je me demande bien à quoi ils servent. Voilà donc pourquoi je suis venue ici toute seule. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Tu es bien curieux, dis-moi. D'accord, je vais te montrer. Madame apporte dans son coin une super pierre. Une pierre? Pas n'importe laquelle, elle renferme le pouvoir nécessaire pour renforcer la boule de cristal dont je me sers lors de mes séances de divination. Ah, vous êtes voyance? C'est exact, je m'appelle Baba. Mon père et moi sommes de vieilles connaissances. Ouais, vous connaissez mon père? Et puis depuis sa plus tendre enfance. Mince! C'est tout ce que je te dirai sur son relation. Si tu veux en savoir plus, donne à ton père lorsqu'il reviendra. Et maintenant, ma boule de cristal m'attend. Je compte me servir du pouvoir de cette pierre pour prédire l'avenir de la Terre. Depuis quelques temps, mes visions manquent de clarté lorsque j'essaie de voir ce qui va arriver à cette planète. J'ai peur que une tragédie imminente m'échappe. C'est pourquoi j'espère amplifier la puissance de ma boule de cristal à l'aide de cette pierre. Oh, j'ai une idée, je pourrais vérifier ton efficacité en lisant ton avenir, ce soit ma façon de te remercier de m'avoir sauvé. Merci, gentil, mais je n'ai pas vraiment le temps. Ce sera rapide, ne t'inquiète pas. Si c'est toi, j'accepterai cette protection volontiers. Ça coûte une fortune en temps normal. 10 millions d'élites par séance, je te rends compte, et je suis prêt à te faire ça gratuitement. Ah oui, vous n'y agirez pas, c'est vraiment une fortune. D'accord, je veux bien que vous laissiez mon avenir. Très bien, commençons ensuite. Ah voilà, ça par exemple. Qu'est-ce que vous voyez? Ça me dit rien qui vaille.
Dis quelque chose, vous me stressez. Ton avenir sera fait d'une série d'épreuves plus difficiles les unes que les autres. Des épreuves? Ton existence est placée sous la signe de l'adversité. En toute honnêteté, c'est la première fois que je vois une vie aussi éprouvante. Oh non! Enfin, bien, quelque soit encore loin, je vois aussi une lumière vive au bout du tunnel. Cette situation n'est pas totalement désespérée. D'accord, merci pour la prédiction, madame. Je ferai mieux d'y aller. Sache que je ne me trompe jamais. Si je te dis qu'il y a une lumière d'espoir, tu peux me croire. Viens, passe-moi à la ligne de la Terre. Je vois que deux œuvres vont atterrir ici. Mais ensuite, tout est noir. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette boule de cristal? J'ai pourtant amplifié sa puissance. C'est peut-être signe qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Ces ténèbres. La nuit de ce garçon en était remplie également, mais il y avait une source de lumière quelque part par ici. Quelque part. Son avenir est peut-être intrinsèquement lié à celui de la planète. Dans tous les cas, il est clair qu'il y a une connexion. Il s'agit tout de même de tuer son Goku. Je sais que cette planète est dans de bonnes mains. Quelle que soit la tragédie qui la menace, j'attends de grandes choses de toi, Sangohan. Ah, j'ai pas. Donc vous dites que je ne peux pas m'attendre à m'enlever dans la nuit, c'est ça? Du coup, j'ai pas eu la voyante en tant que âme, enfin, emblème de l'âme. C'est dommage. J'ai pas des ennemis là quelque part? Ouais. Allez, let's go. Hop. Senko! Il y a même pas beaucoup de méchants en vrai. C'est dommage. Non. Est-ce que j'ai des trucs à faire ici là?
Il me faut 400. 400 bleus, ok. Enfin, il me faut moins parce que du coup j'en ai 478. Non, non, voilà. Enfin, donc là, je pense qu'il y a eu une grosse ellipse. En tout cas, il y avait pas pensé, mais moi, je pensais. Donc là, il va y avoir une grosse ellipse. Du coup, voilà, j'ai augmenté d'un niveau. Je suis au niveau 6 maintenant. Et je vais préparer pour la suite. Donc, je vais manger un petit repas. Parce que je sens que je vais devoir m'affronter. Piccolo. Donc je vais me prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Un dino maigre. Un poulet. Loup. Bah, je prends un dino maigre. Allez. Bon, c'est parti, les équipiers de ce groupe ont été entièrement restaurés. Et maintenant, go au scénario. Et c'est parti. Voilà, on tombe là, on est au même niveau en plus, donc... Et voilà! この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。は、はい。くそったれが。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ。おお、あっさりと。まあ
見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。Quelques temps plus tard, son tir Sangwan pousse son entraînement intensif avec Piccolo. Yasundere Hima Naizo. Chokujito Simi Inaiwa Kono Oreto no Tatakaida. Kaku no Shitoketo Itakoto Wasuretaka. Demo, Skoshi Kurai. Amatarino. Shinitaku Nakureba Motto Tsuyoku Naru Shika Nai Ndazo.この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よよーし、ちょっと食べ物を探してこようかな。Et je pense qu'on va s'arrêter bon, après la fin du pitch de Guan. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de Dragon Ball Z Kakarot. Allez, bye bye tout le monde.